C'est en 2011 que j'ai entendu parler pour la première fois de ce projet-là. Et en fait, ma première réaction, honnêtement, j'ai dit « Wow, quel beau projet! » Deux ans plus tard, Fusion Jeunesse m'offre la possibilité de venir observer ce qui se passe, mais du côté de la FRC. Bien, premièrement, tout le monde a parlé, c'est mon mentor, M. Gino, qui bien, notre coach, en fait, qui nous a parlé de ce projet-là. D'abord, moi, j'ai commencé déjà en secondaire 1, je parlais déjà de ce projet-là avec mes élèves. À l'aide de YouTube, je leur présentais des images, je leur présentais des vidéos, et je pense que j'étais assez persuasif pour leur faire vendre ce projet-là. Ils ont embarqué tout de suite. Bien, c'est sûr que ça me donnait le goût de me lever le matin, parce que je savais qu'à chaque midi, j'allais aller en robotique et j'allais avoir du fun. Si je regarde cette année, par exemple, on travaille avec la première classe. Bien, croyez-le ou non, les élèves ont utilisé leur cours d'histoire pour travailler la FLL. Oui, j'ai appris d'autres choses, surtout avec sur le TDA, qui est notre projet cette année. J'ai une classe de 29 élèves qui sont en concentration robotique à la polyvalente de Charlebourg. Ces jeunes-là, j'en ai 14 qui ont un trouble déficitaire d'attention. C'est d'ailleurs notre projet, puisque les jeunes ont travaillé sur la création d'un bureau qui vient en aide aux élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. Bon, bien, ça, c'est un bureau interactif qu'on a créé en classe pour aider les personnes ayant un TDA à se concentrer en classe. On a intégré une tablette tactile à l'intérieur. On peut écrire des textes comme ça, avec le clavier tactile ici. Quand je parle de persévérance scolaire, je parle avant tout de motivation. Si on réussit à motiver nos jeunes, on réussit à les garder à l'école. Quand on va en cours de robotique, c'est vraiment pour avoir du plaisir. Puis c'est plus juste à travailler ces robots, c'est aussi plein d'autres choses qui rentrent en contexte avec les mathématiques, le français, l'anglais. Fait que moi, j'inviterais vraiment les personnes qui ont de la difficulté à l'école à venir en programme robotique pour les aider à s'accrocher à l'école. Mon plus beau cadeau, moi, dans ce projet-là, c'est au retour des qualifications, lorsqu'on a été qualifié, j'ai vu le sourire des parents. J'ai vu également ces jeunes-là dans les corridors de l'école qui étaient fiers de ce qu'ils avaient accompli et partout on leur disait félicitations. Alors l'estime de soi est très importante chez eux. Donc quand on parle d'estime, qu'on parle de motivation, qu'on parle d'apprentissage chez les élèves qui ont des difficultés, on peut vendre ce projet-là très facilement. Il faut s'y mettre, ça demande beaucoup de temps, mais je pense que c'est réalisable. Puis c'est vraiment... Écoutez, quand je regarde ce qui se passe autour, c'est vraiment ma récompense.